Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, c'est l'inspiration, idée à réaliser soi-même et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour travailler une écharpe avec cette jolie pelote effet fausse fourrure. Donc ça vous fait un résultat vraiment tout doux et très sympa. Donc c'est bien sûr un fil que vous utilisez qu'un point basique, hein. Je vais vous montrer tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réaliser cette écharpe. Alors, voici la pelote, donc la faux fur de chez Action. Donc, c'est une, voilà, un effet fausse fourrure. Donc, voilà, vous avez un fil avec plein de petits fils plus fins qui sont fixés dessus et qui vous font cet effet un peu tout poilu, tout doux. Donc, on va travailler ça. C'est 100% de polyester. Voilà. Pour des aiguilles 10-12 mm. Donc là, voilà. Donc j'ai déjà utilisé un petit peu une petite partie de cette pelote. Donc on va. Ça devrait suffire pour. Voilà, une petite écharpe. Donc on va commencer par travailler une chaîne de mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mailles en l'air. Ensuite, 1, 2 mailles en l'air. Et on va travailler en demi-bride. Donc je fais un jeté. Je pique un troisième maille ici. Vous voyez que j'ai trois boucles sur mon crochet. Je vais chercher le fil, je passe dans ces trois boucles. Ensuite, on poursuit. Donc après, on va dans la maille suivante et on crochette à nouveau une demi-bride. Je dois vous mettre. On refait, on fait un jeté, on va dans la maille suivante. On pique dans la maille et on va ensuite, voilà, relever une maille, une boucle et on va se retrouver ensuite avec trois boucles sur le crochet et ensuite il n'y a plus qu'à passer le fil dedans et voilà, faire une demi-bride. Voilà, là vous pouvez voir ce que ça donne avec toute la largeur. Hein. Donc ce qu'on va faire donc, au rang suivant, c'est qu'on va piquer au niveau de la maille, mais entre les demi-brides du rang précédent. Donc on poursuit avec deux mailles en l'air, on tourne le travail et voilà, on va crocheter entre les demi-brides du rang précédent. Donc toujours, on crochète toujours des demi-brides, ça ne change pas.
Voilà, on poursuit donc nos demi-brides tout le long du rang numéro 2, et toutes ces demi-brides, bien sûr, sont crochetées à chaque fois entre les deux demi-brides du rang précédent, et puis aussi, là, pour terminer, au niveau de la chaînette de mailles en l'air avec laquelle vous avez commencé le rang. Vous avez vu, ça fait une belle épaisseur, c'est bien moelleux, c'est tout doux, donc vraiment agréable. Voilà, après on poursuit sur ce principe-là. Là, j'ai une petite mise à jour pour vous. Donc en fait, ça évolue très très vite. Donc on a voilà, un fil, comme vous avez vu, assez épais. On utilise aussi un crochet plutôt d'une taille assez importante. Donc voilà, ça nous permet. Voilà, d'aller assez vite. On va continuer jusqu'à la fin maintenant sur ce même principe. Donc là, il me reste juste un tout petit peu de fil. Donc vraiment à un rendu très intéressant avec ce fil. Voilà, donc là, on va pouvoir maintenant fixer les deux bouts, hein. On va faire un snood, transformer cette écharpe en snood, parce que de toute façon, elle est trop courte pour faire une écharpe classique. Et on va associer donc les deux bouts comme ceci, et passer, voilà, faire des mailles coulées, coudre les deux bouts en mailles coulées, en fixant les côtés opposés comme ceci, au niveau des mailles. Donc évitez, faites attention à ne pas créer de décalage, faites bien tout ça de manière alignée. Voilà, donc c'est un peu, c'était à peu près, ouais, à peu près 2 tiers de la pelote. Ouais, donc c'est quand même devenu assez, assez large. Donc ça me permet de faire un joli snood. Là, je suis arrivée au côté, au niveau du côté opposé. Donc après, il n'y a plus qu'à coudre les fils qui sont en trop, qui sont en plus. Pour voilà, finaliser tout ça. De toute façon, ça va être assez simple à dissimuler dans ce type de fil. Voilà, donc on met tout en place. Donc vous voyez à l'endroit où on a cousu. Voilà, donc c'est assez invisible. En plus, ça aide beaucoup le fait que ce soit un fil comme ceci, qui donne un effet un peu... cet effet fourrure, parce que du coup c'est encore plus encore moins visible. On voit pas du tout le point, comme vous pouvez le constater. Pour ça que ça sert à rien de faire un point trop fantaisie, trop travaillé, puisque vous ne le verrez pas. Donc avec ce type de fil, gardez des points classiques, et voilà, que ce sera un rendu vraiment sympa. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, et mais là c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!